pense que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une jeune région, c'est un coin de pays à bâtir. Alors, les défis sont nombreux. Et ce qui est particulier, je pense, au moins à la période où je suis arrivé, mais je pense que c'est encore totalement d'actualité, la place est toute grande ouverte, les bras sont tout grands ouverts pour les jeunes qui veulent venir non seulement exercer leur métier, leur profession, mais aussi qui veulent participer à construire ce coin du Québec-là. Puis Val-d'Or et l'Abitibi, c'est une terre d'opportunités pour moi. Bien, justement, dans mon travail, je trouvais que je travaillais beaucoup sur des choses qui étaient là depuis toujours, qui n'étaient pas nécessairement questionnées. Je remettais des choses en question, mais sans trop savoir vers où aller. Puis je voyais justement qu'on était rendu là à penser la culture autrement. T'sais, maintenant, on parle beaucoup de transversalité, de démocratisation, tout ça. Je me disais que c'est vers là qu'il fallait nécessairement entendre. Puis c'est ça aussi que notre politique culturelle disait. Puis je trouvais que ça, on y arrivait moins. Puis dans les objectifs de Cultura, il y avait vraiment cette idée-là, justement, de travailler avec d'autres secteurs, d'autres milieux. Alors, comme toute idée nouvelle se heurte au départ à une certaine résistance, pour ne pas dire inertie, je pense qu'il a fallu lancer des invitations, entre autres, au monde municipal. Et c'est là qu'un certain nombre de localités dans la région ont répondu présent. Bien, moi, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a parlé. J'ai écouté la vidéo en ligne, puis j'ai fait, voyons donc, c'est quoi? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Puis je me suis regardé la vidéo, puis là, ben, j'ai vu des gens que je connais, j'ai vu Rouen Aranda, j'ai vu des jeunes, j'ai vu toutes sortes de monde. Puis j'ai vu des artistes. Puis là, j'ai dit, crime, c'est intéressant, qu'est-ce que c'est? Je me suis informé un peu plus, puis j'ai poussé la réflexion. Puis j'ai découvert qu'il y avait moyen d'avoir un mode de vie universel en Abitibi-Témiscamingue, puis de se retrouver. Cultura aussi, ça avait quelque chose d'intéressant dans le sens où ils faisaient signer, bien, ils ont fait signer plusieurs chartes aux municipalités d'engagement sur des principes, c'est super intéressant. Puis à partir du moment où tu as cet engagement-là, tu sais, il y a eu comme une réflexion d'entamer. Moi, je trouvais que pour moi, c'était parfait parce que ça me donnait un outil de mobilisation au sein de mon organisation, mais aussi à l'extérieur. J'avais comme une occasion d'aller cogner à la porte de tous ceux qui allaient avoir signé cette fameuse charte-là, puis dire, bon, le signer, maintenant, on va faire quelque chose. Puis même, c'était pas nécessairement ça le but, mais on s'est beaucoup démarqué, je pense, à Val-d'Or avec là-dedans, parce qu'on est allé, on a plongé la tête première dedans. Partout après ça, quand on a découvert Cultura, nous, on s'est dit, on embarque. Nous, tout le conseil, on a écouté la vidéo. Suite à ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On a fait une résolution qui a fait que chaque projet qui va être porté par la municipalité dans notre mandat 2013-2017, il va avoir Cultura à l'intérieur. On va penser à nos artistes, on va penser à Couleur bleue, on va penser à est-ce que ça nous amène, est-ce qu'on participe? Je me souviens très bien d'un lancement municipal de Cultura.
Je crois que c'est avril 2014 à la salle des spectacles à Amos. Et là, chacune des localités, de petite, de moyenne ou de grande taille, sont venues exposer les projets qu'ils voulaient voir se réaliser à l'été 2014. T'sais, au début, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce que c'était Cultura dès le départ. Puis je te dirais qu'on ne le comprenait pas à 100%, mais moi, j'ai toujours vu ça comme une force. Je me suis dit, ben, tu sais, on va le prendre comme on veut, puis tu sais, on n'a pas, tu sais, dans le fond, on fera rien de pas correct. Tu sais, même si on le détourne ou on s'éloigne un petit peu des objectifs originaux, ben c'est pas si grave. Tu sais, si notre milieu en bénéficie, ce sera pas si grave. Fait que finalement, on l'a comme décidé un peu de le faire à notre manière. Je savais qu'il y avait quelque chose là, mais ça a vraiment dépassé mes attentes, tu sais. Puis justement, vu que c'était pas si clair que ça, puis je pense qu'il y avait cette idée-là aussi, pas d'être pas clair, mais d'être flexible, tu sais, pour que ça puisse s'adapter autant au petit milieu, plus je parle juste des municipalités, mais tu sais, au plus petit puis aux plus grandes villes, mais aussi au milieu des affaires pour le milieu scolaire. Tu sais, pour que tout le monde trouve sa place, c'était quand même, tu sais, les limites étaient peut-être un peu plus floues. Ben moi, en partant, il y avait une cause commune qui rassemblait. Puis moi, j'aime rassembler. Moi, j'étais un gars d'équipe. Moi, j'aime ça quand on va de l'avant, on fonce, puis tout le monde peut mettre à contribution ce qu'il veut. On laisse les gens parler, on laisse les gens aller. Des fois, tu as des gens, là, c'est insoupçonné ce qu'ils peuvent réaliser. Puis en même temps, je dirais même que ça peut même toucher la santé mentale, puis ça peut même être guérisseur. Donc, il y avait une genre de petite pilule. Parce que Cultura, c'est un peu peut-être une petite pilule aussi, d'un sens. Peut-être que ça a permis à des gens qui sortaient pas de la maison, qui ont sorti, qui n'avaient pas de fleurs devant chez eux, qui ont mis des fleurs. On a des concours de Noël. C'est ça, ça l'a permis de rassembler. Puis, moi, je l'ai utilisé comme flambeau. Tu sais, des fois, ça prend un petit booster dans ton feu, ben, on l'ajoute. Ça l'a amené à un mouvement de mobilisation plus grand. Le service culturel de la ville, les professeurs en arts plastiques à la polyvalente Le Carrefour, fort d'une expérience qu'ils avaient fait avec de la peinture sur des planches récupérées au site d'enfouissement de la ville, de la MRC, pardon. Alors, ces professeurs-là ont dit bien, on pourrait peut-être relever un défi pour 2015. Et c'est là qu'est arrivé. J'appellerais ça un mouvement plus important, une mobilisation plus grande. Et 2015 a donné lieu à plusieurs réalisations en même temps. Et d'ailleurs, de deux initiatives en 2014, je pense qu'il y en avait plus que huit en 2015, réparties avec plusieurs acteurs. Et ça l'a donné lieu au mouvement Cultura signé Val-d'Or. C'est le fun parce que les gens qui sont sur le comité de Cultura signé Val-d'Or sont de milieux différents. T'sais, on a quelqu'un du Centre des Métiers autochtones, on a la commission scolaire. On a le centre d'exposition, on a l'office du tourisme, on a le conservatoire de musique de Val-d'Or. Fait que on vient tous d'horizons un peu différents. Puis ce que moi j'ai trouvé, je pense que ma plus grande surprise, ça a été que tout le monde est vraiment, c'est un peu dégagé de sa mission d'entreprise directe ou de son rôle, puis qui est allé plus loin. C'est comme si tout le monde voyait la pertinence, en fait, d'investir dans le milieu, même si ça ne touchait pas juste directement le core business. T'sais. Puis ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que c'était le cas de tout le monde. Fait que là, il y a comme eu des maillages qui se sont faits, des sous-comités de gens qui n'étaient pas nécessairement appelés à travailler ensemble
en temps normal. Puis ça a donné vraiment des liens qui ont perduré. T'sais, encore, c'est des liens qui durent. Puis t'sais, il y a eu d'autres projets à l'extérieur de Cultura qui se sont faits grâce à ça. C'est là qu'est apparue une murale au centre-ville. C'est là qu'est apparue au Pays de l'or bleu, initiative supportée par les professeurs, trois professeurs en arts plastiques à la polyvalente Le Carrefour et de Sainte-Terre aussi, qui ont réalisé les silhouettes qui sont installées dans les clôtures autour des opérations à ciel ouvert de la défunte mine Century Mining à l'entrée est de la ville. Ça a été ciblé comme un secteur à embellir. Puis ça a été super. Puis les élèves aussi, il y a eu du travail qui s'est fait. L'école à Sainte-Terre a participé, le transit, la polyvalente. Puis au transit, par exemple, il n'y avait pas de scie disponible. Fait que c'est les élèves de la poly qui sciaient les morceaux pour le transit. Puis il y a vraiment une collaboration. Puis c'est rare que ça se voit. T'sais, ça a l'air banal, mais ça ne l'est pas du tout. Justement, de voir ces rencontres-là qui se font, puis il y a eu l'installation, ça a été aussi laborieux, mais pour les élèves, ça a été vraiment porteur, puis on a senti qu'ils étaient fiers justement de faire quelque chose qui sortait des murs de l'école. Ça l'a valu à ce groupe-là d'ailleurs un prix provincial. Au Pays de l'or bleu a récolté un prix provincial. Est inspirante et profitera autant aux citoyens qu'aux visiteurs. C'est une démonstration concrète. Alors, il y a plein d'initiatives qui ont été prises à droite et à gauche. Il y a plein de personnes qui se sont senties interpellées. Et moi, je qualifierais Cultura de boule de neige. Au début, ça commence modestement, il y a une petite boule. Deuxième tour, la boule est plus grosse. Troisième tour, la boule est plus grosse. Alors, c'est là qu'il y a eu l'effet d'entraînement. Par exemple, prenons le long de la 7e sur le bord de la piste cyclable entre le parc industriel et l'aéroport. Il y a eu l'exposition. La première année, c'était Régalia. Régalia, c'était des personnes qui étaient présentées de façon civile ou habillées en costume autochtone, d'une photo à l'autre, et une série a été installée. Alors, les panneaux étant demeurés sur place après l'exposition Régalia, il y a une autre exposition qui a suivi, et cette année, il y en a une troisième, pour vous manifester ici l'effet de pérennité. Alors, à partir du moment où ça a été installé, bien, on disposait de ces panneaux-là, on aurait pu prendre tout simplement l'attitude de les retirer, de les entreposer, mais non, on a décidé de les alimenter. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'une exposition se terminait, il y en avait un autre qui était en préparation, que ce soit de la photographie d'un artiste ou d'un autre. Thank you.
volet scolaire pour l'ensemble de l'équipe au niveau culturel a toujours été pour nous essentiel, même si des fois c'est peut-être un petit peu loin. Mais le souci de stimuler puis éveiller tout de suite la jeune génération, ça a toujours été un secteur dans lequel on a accordé beaucoup d'importance. Donc, et a créé un réseau de communication avec l'ensemble des commissions scolaires. Donc, une belle porte d'entrée plus facile aussi pour l'ensemble du milieu culturel. Alors, on a fait deux concours. La première fois, c'est Cultural lance la balle au milieu scolaire qui a incité l'ensemble des écoles à faire des projets pour embellir leur cours d'école ou découvrir les produits du terroir, leur culture, leur identité régionale. L'an dernier, on a invité l'ensemble des écoles de l'Abitibi-Témiscamingue au concours « Je veux te connaître ». Avec mon école, je découvre la culture Anishinaabe. Donc, d'inviter l'ensemble des professeurs à faire des projets en lien avec l'histoire, la culture. Et pour ça, on a développé un bottin qui réunit toutes les Anishinaabe que j'ai rencontrées. Avez-vous envie de partager votre histoire, votre culture? Avez-vous des ateliers qui pourraient intéresser les écoles? Oui, ça tente. Bon, bien, super. On a réuni ça dans un petit bottin qui informait pour la première fois. Ben oui, il en existe, qu'il y a une offre. Il y a une offre qui peut venir dans ton école, mais toi aussi, tu peux aller à Picogan, à leur musée, mais l'information ne s'était pas rendue. Alors, cette année, il y a eu 70 projets dans l'ensemble des écoles de l'Abitibi-Témiscamingue. À chaque fois, une transformation immédiate entre une aisance qui, au début, tu rentres dans le local, le professeur, oui, les Amérindiens l'Algonquin, hein, mais qu'à la fin, hey, merci de nous avoir fait découvrir la culture Anishinaabe avec aisance. Tu sens les enfants émerveillés, les mains constamment sur différents éléments. Il y a une zone où on peut se rencontrer avec merveille. Et beaucoup en lien avec le territoire. Bref, il y a eu 70 projets, une école gagnante qui s'est méritée une grande sculpture extérieure de l'artiste algonquin de Winnoway, Frank Paulson, avec une inauguration traditionnelle d'un aîné qui est venu s'adresser à l'ensemble de l'école pour aussi mettre de la valeur à cette œuvre-là qui est la trace de tout le processus. Et la particularité de Cultura, c'est que non seulement ça l'a interpellé les citoyens, les simples citoyens, mais ça l'a interpellé aussi le monde municipal. Mais quel que soit le format ou la grosseur de la localité, là, que ce soit Galichin, que ce soit Palmarol, que ce soit Nedlec ou Notre-Dame-du-Nord ou Ville-Marie ou Val-d'Or ou Rouyn-Noranda, il y a eu véritablement un effet domino, un effet crescendo, je devrais dire, plutôt, qui a fait grossir la chose et qui a fait apparaître dans notre décor urbain plein de belles initiatives, plein de belles réalisations qui nous a fait découvrir, peut-être dans certains cas, des talents insoupçonnés. C'est un trophée-là, là. Écoute, c'est tellement de la fierté. Municipalité de moins de 5000 habitants. Nous, là, chez nous, comme je te dis, on s'est donné à fond. On a été de l'avant, puis on n'arrête pas encore aujourd'hui. Là, on finit notre mandat, puis Cultura est encore aussi présent. Mais ce qui nous a permis de se démarquer, là, c'est dans chacune de nos actions qu'on fait, c'est que le conseil a décidé d'aller de l'avant. Donc, ça se répercute sur nos employés. Puis on a engagé une merveilleuse employée qui le fait, qui le transmet, puis qui permet de se dépasser. Donc, à quelque part, là, ce trophée-là, il appartient à la population de Pressac. Il appartient à toutes les gens qui ont participé. Puis au niveau régionalement, sur 103 municipalités, c'est vraiment intéressant de savoir qu'on est reconnu aussi pour avoir participé au projet Cultura. Le mouvement Cultura n'est pas limité qu'aux seuls individus, citoyens, municipalités.
ça l'a interpellé tout le monde. Tout le monde, que ce soit de l'éducation, que ce soit du secteur privé. On a vu des projets se réaliser sur des édifices carrément privés. Bien, c'est un peu comme tout le monde. Je l'ai appris par les journaux ou par la télévision. On voyait les projets se développer au fur et à mesure des années avec Cultura. Mais c'est sûr que ce qui m'a interpellé le plus, c'est quand l'œuvre sur l'édifice Eris et Deloitte est apparue, l'œuvre de M. Paulson. C'est là que ça m'a interpellé. J'ai dit, ah, il me semble que nous, pendant que l'œuvre a été installée, on faisait la rénovation de notre immeuble au 155 principal, qui était une grosse rénovation. On a vraiment tout refait l'immeuble. Puis je me suis dit, à la suite de ça, j'en ai parlé avec mon équipe, puis je leur disais, il me semble que ça serait le fun d'intégrer une œuvre sur notre immeuble. L'œuvre, dans le fond, l'œuvre, elle débute du bas, au bas de l'immeuble, puis elle grandit vers le haut comme un arbre, dans le fond. Il faut vraiment le voir comme un arbre. Dans le fond, il y a une trompe principale. Après ça, il y a des branches qui se dispersent par la suite de part et d'autre, à côté des, mettons, entre les fenêtres de l'immeuble aussi. Puis l'arbre est fait, dans le fond, sur une plaque d'aluminium, puis les clés sont vissées sur la plaque d'aluminium. Mais c'est sûr que les clés ne sont pas vissées complètement. Il y a un petit mouvement qui fait en sorte que s'il y a du vent, on voit les clés bouger, qui fait que l'œuvre est d'une certaine façon vivante, qui fait un peu comme les feuilles d'un arbre qui bouge. On voulait que l'œuvre, en fait, Karine nous a dit que ce serait intéressant d'avoir une œuvre qui puisse bouger, créer des mouvements là, au niveau du vent. Sans trop bouger pour ne pas déranger les locataires dans les logements. Mais je pense qu'on a bien réussi de ce côté-là. Conclusion, je peux dire que trilogie du début à la fin dans le processus de notre œuvre. On a eu beaucoup de plaisir à le faire. Puis c'est sûr qu'on a travaillé avec une artiste formidable, Karine Bertillon. C'est une perle. C'est vraiment bien été. Puis on garde que du positif dans notre démarche au niveau de Cultura. Oui, on recommande à tous les gens, pour le bonheur. C'est comme ça que Cultura s'est implanté chez nous, dans notre communauté. C'est implanté dans d'autres localités de la MRC de la Vallée-de-l'Or et c'est implanté dans l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue à différents niveaux. Pour nous, on l'a vu dans son ensemble, parce que c'est sûr qu'installer une œuvre comme ça, créer une œuvre, c'est pas gratuit. Là. C'est sûr qu'il faut le voir dans son ensemble au niveau de la vie. Il faut le voir au niveau marketing aussi. On ne fait pas un œuvre pour juste faire un œuvre. Il faut l'utiliser, cette œuvre-là. Il faut l'utiliser pour créer une visibilité à l'entreprise. Puis c'était le but aussi d'utiliser Cultura. Fait que, dans le fond, tout le monde est gagnant. Cultura, ben, ils s'attachent à une nouvelle œuvre. Ils sont très contents. Mais nous autres, on utilise Cultura pour augmenter la visibilité de Trilogie, puis se faire parler de Trilogie. Puis en même temps, on parle de nos services. Qu'est-ce qu'on offre comme service? Mais c'est sûr qu'aussi dans le cheminement, ben il y a un coût. Mais le fait que les gouvernements acceptent qu'on mette cette œuvre-là dans nos frais de dépenses, aussi ça contribue à faciliter la chose parce que c'est sûr si on ne pouvait pas mettre ça dans nos dépenses, ben ça aurait été un pensez-y bien. Là. Je ne dis pas qu'on ne l'aurait pas fait, mais on l'aurait peut-être retardé là, dans le fond, le processus, mais ça a contribué à notre démarche. Là.
pense que Cultura, c'est une bougie d'allumage. C'est une étincelle qui s'est manifestée. Et ben, je pense que là, on est rendu un peu plus qu'une étincelle. On est rendu dans le feu d'artifice, mais il n'est pas complété encore. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. Mais ne serait-ce que d'avoir intégré cette dimension culturelle-là dans la réflexion qui nous amène à réaliser des projets, je pense qu'on a fait collectivement des gains très intéressants sur le plan de l'amélioration, de l'embellissement de notre environnement. C'est la beauté de notre ville qu'on améliore. T'sais, je veux dire, si on a plusieurs œuvres de majeures ou d'impact dans la ville, ça fait en sorte que la ville est belle. Les gens se sentent bien. Puis, d'ailleurs, en Abitibi, je pense que les gens sont heureux. Selon les nombreux sondages qu'on peut voir, on est toujours dans les premières villes au Québec en frais de bonheur. Je pense qu'on arrive au début d'un commencement. Puis pas à la fin de la fin. On est vraiment au début d'un commencement. Ressac, en ce moment, là, c'est un des plus beaux villages au Québec. Puis je viens de là, puis j'en ai fait beaucoup de villages, mais on retrouve le Témiscamingue, on retrouve les paysages. Les gens sont accueillants. C'est vraiment beau. Donc, à quelque part, je pense qu'on fait partie. On fait partie intégrale de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis je me sens. Quand je dis je me sens. Je me sens culturellement impliqué. Puis je me sens fier de ce qu'on a fait à l'heure actuelle ensemble. Puis je suis content d'avoir attaché Cultura à cette fierté-là. Je suis contente que Cultura est arrivée au début de ma carrière parce que moi, j'ai toujours pensé que Val-d'Or avait comme un super grand potentiel. Puis, je trouvais même avant Cultura que Val-d'Or se démarquait quand même, mais c'était moins connu comme ça. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui me disaient hey, Val-d'Or, ça a tellement explosé, ça s'est tellement développé au niveau culturel. Mais je pense qu'avant, c'était peut-être un petit peu plus anonyme parce que les choses se passaient autrement, puis c'était moins visible. Mais là, le fait qu'on ait fait autant de choses qui étaient exposées publiquement, ça a donné une impression, bien, puis c'était vrai aussi, mais ça a comme créé une effervescence, puis un mouvement, puis il y a des gens qui n'étaient pas nécessairement sensibles aux arts qui étaient fiers de ces projets-là, puis qui trouvaient ça intéressant. Fait que ça a aussi fait du chemin dans la mentalité des gens de se dire Val-d'Or, ça peut être fertile pour la culture. La chose est répandue même dans les écoles, l'école primaire, l'école secondaire, cégep, université. Alors, il y a un goût, il y a un souhait qui est manifesté par le monde. Non seulement un appétit qui a été comblé, mais qui, à certains égards, pourrait être considéré comme insatiable.